à chaque fois que tu fais un match, en fait. Tu leur portes bonheur. Avec plaisir. Ça quiche. Yes. Et là les pilotes. Ah, début, on a Héros. Première fois que je gagne un championnat. Hein. Putain. J'avais gagné un couple, mais... Tu vas chercher ça. J'avais gagné un couple, mais j'avais jamais gagné un championnat. On va dire que c'est parti des rares à avoir gagné en tant que joueur et... Très j'espère que ça sera pas fini. Voilà. Non, non, c'est sûr. Bien, bien, il faut féliciter les joueurs qui ont vraiment été héroïques tout le match. Voilà. Ils ont été chercher la réussite maximale. Ouais, mais ça, il y a un état d'esprit qui est présent et on sera récompensé. Voilà, tout simplement. Allez, bouffez, c'est cool. J'ai bien joué. Bien joué, Isaac. Parle plus avec l'arbitre. Hein. Une fois que c'est fini. Ils ont marqué deux fois là. Très costaud. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont venir faire tomber Saint-Etienne. Après, c'était peut-être pas le plus joli match, mais en tout cas, voilà, au niveau de l'abnégation et de la combativité, c'est bien, on est sur notre lancée. Vous trouvez que c'était une belle équipe, hein. Le club avait gagné une seule fois de son histoire ici. C'est la deuxième, ça y est. Faut bien à un moment donné casser les séries négatives. Mais non, c'est bien. On continue. Il y a de gros face à face. Il y a Teddy qui est méchant. De gros face à face, on retient celui avec Cabella à la fin. Ouais. Tu sens qu'il va faire le lob ou quoi? Ouais, ils font souvent ça. On va donner les infos, mais ils font souvent ça. Après, voilà, c'est de la réussite aussi, c'est bien, c'est l'efficacité. Je suis content parce que voilà, on fait à nouveau encore un clean sheet, on est solide, on va à l'extérieur en ramenant 3 points. Maintenant, voilà, on a deux gros rendez-vous à domicile avec notre public et il va falloir continuer, surtout pas s'arrêter là, parce qu'on peut avoir vraiment de belles perspectives si on passe ces deux matchs dans le positif et une belle trêve après derrière. Au match retour, je te penserai. Ah, il a tardé à frapper. Ça fait plaisir de gagner à Saint-Té. Ça fait un moment qu'on l'attendait, celle-là. Forcément le match où on méritait le plus. Ça fait quelques années. Bon, on mérite pas, on s'en fout, on a fait 3 points de plus. Hein. Et puis voilà, ça
ça fait 15 et il reste 25 points pour le maintien. J'imagine que les tasses qui étaient plaisir à voir depuis 5-6 matchs. Non, mais il fallait que la sauce prenne petit à petit. Il y a un nouveau coach et l'équipe depuis 6 mois qui a été renouvelée avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc voilà, il fallait trouver la bonne formule qui s'adapte aux joueurs. Donc ça s'adapte, ça marche. Après, on croise les doigts pour que ça dure. Maintenant, rendez-vous, il y a mardi à la Coupe, mais rendez-vous samedi pour confirmer contre Rennes. Quoi. Il y a peut-être quelque chose de sympa à construire sur les deux matchs à la Mosson à venir. On a senti que le public adhérait avec cette équipe qui se bat. J'espère que le public répondra présent samedi prochain pour la vue de Rennes. Mais non, je pense que déjà, on prend confiance, on prend de l'assurance, on joue, on gagne des matchs. Et puis voilà. On sent que le public s'identifie de plus en plus à ces guerriers. Là. Je ne sais pas s'ils s'identifient, mais qu'ils viennent déjà, c'était une bonne surprise d'avoir presque 15 000 personnes dimanche contre Nice. Et j'espère que contre Rennes, ils reviendront aussi nous voir. Donc ça peut être qu'un plus. Donc ça prouve que le staff bosse bien, que les gamins se battent bien. Donc voilà, ça fait une belle osmose. Et si en plus il y a l'osmose avec le public, ben, ça fait que du plus. Bon, le club, l'équipe, le staff souffle un peu là, au classement avec tous ces points pris là dernièrement, au moment où on ne s'y attendait peut-être pas. Ouais, mais je pense que la victoire à 3, c'est toujours on parle de Paris, je pense que la victoire à 3 nous a fait un bien fou et le nul contre Paris montre qu'on a des qualités et la capacité de faire peut-être des belles choses cette saison. Voilà, il fallait que ça se mette en place, ça se met en place. Maintenant on n'a que 15 points, il reste encore 25 points pour avoir le maintien, donc le chemin est encore long. Mais bon, on ne va pas se priver d'une belle victoire à Saint-Etienne. Ce qui nous arrive pas très souvent, et puis ça fait une petite pensée pour le président qui aurait été très fier qu'on gagne Saint-Etienne aujourd'hui.